sentez dans la masse des anonymes comme on se sent fort. Allez, ah, non, pas dehors, non. Allez chercher Brossard. Faites défiler Brossard. Faut vraiment qu'il ait besoin d'un service pour penser à moi, mon cher cousin. Oui, on m'a dit, un service pour 2000 francs, ça peut se rendre, non? Mais si, il est très bien, Brossard. Pour une fois, il nous foutra la paix. Vous dites n'importe quoi. Mais si, on nous prend toujours l'un pour l'autre. Chaque fois que je me présente pour un rôle, on me dit non, c'est pas possible. Il a la gueule de l'autre. Alors, je commence à en avoir sérieusement marre. De la gueule de l'autre. Allez, c'est fini, la comédie, oui. Mais vous êtes très bien. Mais non, je le sais. C'est vous dîner. Surtout pas d'obsèques nationales. Cabotin. Je vais rattraper ça dans le brio, dans l'allure. On n'est rien, d'accord. J'ai Perrin. Non, mais je suis Brossard. Martial Perrin. Gilbert Brossard. Si tu n'étais pas Perrin, tu en saurais trop à l'heure actuelle. Et je t'abattrais tout de suite. Pour elle, un Français doit mourir. Oui, je suis Perrin. Il faut me doubler tous les effectifs. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons périr. Quoi? Si je perds ma place, je vous bute. Vous entendez? Je vous bute. Déshabillez-vous. Quoi? Vite, passez-moi le costume. Je vais voir si j'ai la taille au-dessus, hein. Rhabillez-vous, vite. À la race! J'en ai marre, je quand même. Je suis pas un vrai loupard. Brossard? Oui, Brossard, oui. Brossard ou bien un Perrin, vous savez. Qu'est-ce que j'ai de plus que lui? Vous allez passer à la télévision dans une grande émission, hein, à la meilleure heure, 60% d'écoute. Mais quand? Maintenant! Mais vous êtes malade, je prends pas le risque. Oui, ben moi je le prends. Alors qu'est-ce que je fais? Rien, vous ricanez en lui disant justement je suis heureux que vous me posez la question. Et là vous ne le laissez plus souffler. Je dis bien pas de chou dans le pot-au-feu. Simplement, vous avez votre bouquet garni et vous avez vos oignons plantés d'un clou de girofle. Et vous avez votre saucisse. Oh, écoutez, mon cher ami, je crois que c'est pas possible. Quoi? Oui, écoutez, monsieur Perrin, je vous en prie. Mais vous permettez, vous-même! Vous permettez que j'expose mon programme? Alors je disais donc. Je voudrais bien savoir ce qu'il peut foutre en ce moment, mon malheureux cousin. Ouais.